3 mois plus tard, Guanbis 14 étoiles dans le ladder, c'est parti. Eh bah c'est bien, ça nous fera un petit topo sur la méta, un petit topo sur Gogeta Ultra, un petit topo également sur le C17 MVP pour nous situer un petit peu dans le truc, pour nous dire un petit peu ce que ça vaut. Ça va être n'importe quoi je pense, hein, on est bien d'accord, il va pas y avoir grande surprise. Bon bah de toute façon je pense que de l'histoire de légende c'est potentiellement un des meilleurs investissements possibles Guan. Hein. De toute façon donc après c'est pas... Pas vraiment surprenant, allez on sait pas, voilà, pas de côté ici, SP. Ok. Bon, c'est... La base, j'ai envie de vous dire, la base. Ok, on se fait attraper ici. Il break, on met Mirai Gohan. On tank quelques cartes, si possible. Ok, on va essayer d'en tanker une supplémentaire avec Mirai Gohan. Mettre point, alors je rappelle, hein, se faire toucher en jouant notre team, bah, c'est limite mieux que... Enfin, c'est... Voilà, encore une fois, hein, c'est pas parce que tu te fais toucher en jouant la team super héros que c'est grave, bien au contraire. Ok, alors on peut pas main ici, c'est chiant par contre. Ouais. Il nous empêche de main, il nous empêche de jouer. Allez, on est parti avec Gohan ici. Voilà, on est en train de déchirer Gogeta Ultra contre Tiff, c'est toujours plaisir. Oh la main de merde. La main était désastreuse. Au final on s'est pas mal mis ici. On va pouvoir main avec Mirai Gohan. On va pouvoir après je pense. Voilà ça c'est cool. Switch sur Pan et lâcher le main avec Pan pour enfin pouvoir setup un petit peu notre Pan et notre team. Bon, Mirai Gohan aussi. Bon. C'est pas son showcase mais bon. De toute façon. Est-ce que c'est pas un peu le showcase de toute la team hein? Ok. Moi je trouve que ça reste pas une excellente idée de faire ça. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut. Il va sans doute rising avec Gogeta Blue ici. Il le fait pas. Il le fait pas. Ok. Le kill est pris. Alors, ça, c'est un régal. Sachant qu'on a même pas rising. What? L'esquive qui est pas parti. Ça pourrait. S'il joue bien ici, il aurait pu nous prendre de vitesse. Ouais, il joue mal. Il aurait dû mettre Gogeta et Rising là-dessus, hein, je pouvais rien faire. Hein. Il aurait mis Gogeta into Rising, je pouvais absolument rien faire. Mais non, bah, il m'offre le temps de mettre Pan, il va derrière m'offrir le temps de mettre Mirai Gohan, et s'il ulti, bah, pas sûr que je meurs en fait. Bon, après, il a eu beaucoup de cartes vertes là. Peut-être que quand même. Ah, quoi que. Pas de Rising, pas d'ulti. Waouh. Ah, trop, j'allais dire très confiant, mais je pense que c'est pas ça le terme. Le terme, c'est pas très confiant, c'est trop confiant. Allez, ulti ici, on a pas d'anti-cover. Allez, ouais. Il a compris en fait. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a été beaucoup trop confiant. Il pensait pouvoir me retoucher derrière et tout. Il aurait dû aller chercher l'ulti, tant pis pour lui. Et puis voilà. Alors, ça m'a bien l'air d'être une full Gogeta DBS qu'on va affronter en face. Donc, ça, c'est stylé. Par contre, l'opti est vraiment au rendez-vous. C'est pas vraiment. Enfin, c'est une team fun, mais en termes d'opti, c'est énervé. Tout est quasiment 14 étoiles, bah, sauf l'ultra. Donc, 2 caps ZHP en plus de ça. Full équipement Z+. Très, très belle team. Vraiment, face à Gogeta EX, c'est pas. Enfin, pour lui, c'est pas ouf Gogeta EX là, le match-up. Mais. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Le clash qui est pas trop dégueu, mais qui passe pas. Ce qui est vraiment trop cool dans le team, c'est que là, on a, même s'il break, hein, on a Mirai Gohan pour les covers et on a Pan de l'autre côté. Donc voilà, il va forcément aller chercher Rising, on le sait. Maintenant, ben, on a de quoi aussi plaider en notre faveur. Ok. Je vais tenter un truc. Oh là là, il a strike, je suis dévasté. Ok. Ça c'est cool. Ça permet d'aller chercher une blast ici. Et l'aspect qui va sans doute le faire switch d'ailleurs. Ouais, ça fait trop mal. Il ne peut pas rester là-dessus. Et Gogeta qui va quand même pas mal tanker. En fait, ça partait bien, mais. Ça a très mal fini. Allez, on met Pan. On le lock. On réduit le temps de Gohan Beast. Ouh, par contre, le break sur Mirai Gohan là, fallait voir venir. Gohan. On carte vect avec Gohan. Et là on n'a pas d'anti-cover. Donc évidemment on rising. Si jamais il fait erreur de mettre Gogeta Blue, on gagne la game.
Dommage là, c'est dommage mon frérot. Alors il va tout faire pour contrer. S'il contre, bah c'est incroyable. GG à lui. Attention, ça peut être risqué. Un blast fond de map là. Perfect dodge. Bon bah tout simplement ici on s'est fait rising hein. On va se faire rising alors que bah voilà nous notre rising n'est pas passé. Donc si vous posez la question, oui c'est frustrant évidemment. On était qu'il nullifie pas le type ici. Ok. Le Guanatu. Oh la blast, mais c'est pas possible. Oh, c'est désastreux. Hein. Ok. On va chercher Menu. Titain, c'est désastreux hein, d'avoir 3 blasts là, dans notre team alors qu'on joue une team totalement strike. 3,5 millions HP son GoHTX. Je pense qu'on lui enlève pas. Très sincèrement, je pense qu'on lui enlève pas. Oh, pardon. Pardon. 6. Ah, d'accord. Donc un combo à 6 millions là. D'accord. 6 millions. Ok. Bon. Pas dégueu. Hein. 6 millions. Comment c'est possible? Ah là là, beaucoup de banda! Beaucoup de banda! Aïe, mais qu'est-ce que tu penses, tanké Gohan? Réfléchis donc en face, tu vois bien que ça va pas ce que tu fais! Carte verte ici! Oh le bâtard! Mais non, il va te tuer! Il va te tuer, j'ai lu, je le voyais pas ulti à ce moment-là dans le vide alors que j'avais ma TP. Un peu chiant, mais bon, c'est pas si grave. On lui a détruit une carte ici, on rappelle. On détruit toutes les cartes même. Bon, Gohan qui vient d'atomiser la team, il a droit à un petit peu de repos. Il a le droit à un petit peu de repos. Et puis, bah, Pan qui va terminer le travail. Comme d'habitude. Ouais, je dis ça, mais putain, sa team, elle tanque, bordel, je trouve. C'est impressionnant. Hein. C'est vrai que tu vois que l'opti des équipements Z+, et double cap des HP, ça rend la team tanky. Enfin bon, pour une team qui est quand même incroyablement tanky et très, très, très étoilée. Ce qui a mis Gogeta sur Gogeta Boo par exemple, il pensait tanker le RR, bah pas tanker l'aspect, pas du tout. Bon après je l'ai 14 étoiles mais bon, c'est stupide. Bon, vous aurez bien compris évidemment que je troll et que c'est du second degré. Maintenant la question est quand même plus intéressante derrière et vous montre un truc, c'est que Gohan présente un truc assez énervé par contre en termes de jeu et de stack de cristaux, c'est que forcément Gohan, enfin en tout cas cette team là va être fort pendant très longtemps. Donc c'est un peu à l'époque comme PPP, tu t'aurais pu la jouer au final avec ta PP si au lieu de invoquer sur les autres persos, juste tu optimisais tous tes équipements Z+, vraiment énervé de fou jusqu'au bout, tes gommes et tes PZLF pour avoir la team full 14. Dans ce cas là t'étais très bien, je parle même en tant que free to play, tu pouvais PZ pendant très longtemps, voilà, tu pouvais jouer cette team là pendant très longtemps et juste stack tes cristaux et tout. Et ça vous montre bien que si t'as cette team là, t'es pas obligé d'invoquer sur CI7, t'es pas obligé d'invoquer sur Gogeta Ultra, même si Gogeta Ultra est très très fort, avec cette team là tu peux faire un très 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 gros top. Et c'est pour montrer que bah... investir sur cette team là, c'est une question d'avenir très intéressante, même pour vos stocks de CC. Allez, on y va face à Pan. Alors, Pan qui va m'empêcher de main ici, toujours. Et on est parti. Alors, j'appelle hein, nous, on n'est pas passé par Pan, par tout ça. On va dire que c'est que le début. Et bon, point de Miragon ici, c'est qu'il va pas, il a pas détruit de carte au final, mais bon, pas trop mal tanké. Ici on va lock avec Pan, peut-être nous permettre de carte verte pour l'empêcher de main. Putain, est-ce que tu peux me laisser jouer? Je t'ai... Ah c'est embêtant pour toi là. Ah oui, fallait main un peu plus vite là mon ref. Bon bah je crois que vous avez compris là. Ouah, combien on enlève là? Je sais même pas si c'est une bonne idée, mais vas-y, j'y vais, de toute façon.
Ah, chez ses pans, mais 5 millions 4 quand même. Ouais, bon. Okay. Bon, de toute façon, j'ai l'impression de pouvoir tout faire et qu'il pourra rien faire. C'est un scandale. Ok. On va générer sa jauge ici. On va générer sa jauge. S'il met une spé, je vous rappelle qu'encore une fois, c'est, enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle quoi. Avec Miragone, tu bouges donc. Ok. J'ai envie, tellement envie de courir sur Gwen Beast ici. Ok. Bon, je pense qu'on est sur une fan game ici. Hein. Je pense qu'on est sur un LF de Miragone. Bon, bah, la game de Gwen Beast est stupide. Je sais même pas si c'est LF en vrai. Inu, fit-il, je rappelle. Ouais. Non, en fait, c'est stupide. Vous avez vu, en fait, dès que je me fais toucher derrière, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que à cette team-là, tu peux te faire toucher et commencer à encaisser, mais derrière, dès que ton Gwen Beast va attraper, il va one-shot le jeu. Et quand je vois des gens dire, ouais, Gauche t'as Ultra, il tank Gohan. Non, c'est juste que les gens, je sais pas, ils ont pas, on joue pas le même jeu, c'est pas possible. Gohan, c'est n'importe quoi, sa spé, c'est toujours n'importe quoi. J'espère qu'on aura la chance d'affronter un CD7 dans le showcase. Mais là, mettre 5 millions et quelques sur une spé, c'est n'importe quoi. Et même sur Broly Free to Play, qui est quand même assez récent, on a beau dire ce qu'on veut, il est très récent dans une team optimisée. Il s'est fait one shot, enfin, ulti et des trucs. Waouh! Waouh! Ok, alors là, on est... Waouh, ça fait plaisir. Oh, la saga survie de l'univers 14 étoiles. Avec Jubei Ultra, Jiren et le C17. Full Z+. Enfin, quasiment. Waouh, waouh. Ok. Alors là, par contre, j'ai un peu peur quand même, hein, franchement. Il a pris Golden Vert. Je suis pas sûr là. Je suis pas serein quand même dans l'idée là. Alors en face c'est 13 étoiles, on rappellera du coup. Ah, c'est important. Parce que... Ok. Bon, Jiren qui tank là, t'as peur. Par contre le combo de Gohan, c'est scandaleux. On va switch parce qu'il faut qu'on génère pan. Par contre lui je peux vous assurer qu'il a déjà sa jauge unique là, vu ce qu'on lui a mis là. Lui il attend qu'une chose, c'est avancer, c'est attaquer là pardon. Il attend qu'une chose, c'est attaquer. Ah, c'est... Mécaniquement c'est fort hein, quand même. Oh. Et Golden Vert qui se fait arracher sur du neutre ici. C'est une game qui va sans doute durer assez longtemps. Parce que je pense qu'il a pas vraiment grand chose pour nous embêter. Ok. Bien joué. Pas de stun. Ça c'est cool. Oh, Miragone, ça va être une masterclass là-dessus. Hein, parce que là il va pas. Enfin il va peut-être me rising, mais ça va mettre bien pour Gohan et tout. Donc Après il nous fait mal la Golden, hein. Attention quand même. Faudrait pas qu'il ait la chance de m'enlever la survie là. Ça pourrait être un peu... Vache. Oh Golden. Pas abusé quand même. Ok, on est parti ici, on peut taper. Et avec Gohan, on va chercher la vitesse de pioche. En vrai, on troll, mais putain, sa team, c'est solide. Hein. Et du coup, il va me dispel ici, putain, c'est tellement fort. C'est fort, ça. Okay.
Ça joue bien ici. Hein. Ça joue bien. Bon, c'est quoi ce move dégueulasse là? C'est quoi ce move? Il était horrible celui-là, mon ref en face. Il était horrible ton move là. Le move de backdash là, j'ai pas trop aimé là. Pas très fan, hein, pas très fan de son move de backdash là. Pas ouf là. J'arrive pas à les attraper ces mecs là. C'est vraiment pas évident de gérer ça. Et j'ai l'impression que plus les teams sont toilés, plus ça joue comme ça, ouais, c'est un peu dommage. Sauf que sa team est hyper tanky, putain, c'est intuable, c'est impressionnant. Bon, meurt pas là-dessus, hein, rappel. Bon, attention quand même. Ça, c'est genre un truc, c'est parfait, ça. Tu me soignes et tout, c'est trop bien. Ok. Sauf que moi, j'ai pas envie de rising, en fait, c'est ça la force de sa team, c'est que là, j'ai pas envie de rising. Il me faudrait deux ultis pour terminer la... Enfin, pour... On va m'en sortir, là. J'ai bien compris qu'il attaquait pas, donc vous inquiétez pas, j'ai juste à backdash, ça devrait bien se passer. Ok, le rising qui part sur Golden Ver ici, ça pourra me permettre de prendre un kill et des dégâts, parce que sincèrement, je sais pas... Enfin, après, c'est peut-être moi, hein, c'est pas pour être méchant, mais... J'aime vraiment pas le gameplay de notre adversaire, hein. C'est très dur à gérer. La moindre erreur, ça va être open safe avec Diren. La moindre erreur, ça va être un perfect dodge avec les double esquives de C17. Après, il joue avec les forces de la team, je suis bien d'accord. Ça, c'est bien joué de sa part. Là, d'accord, là, il est offensif et là, il me met dans la merde. Là, il me met dans la merde. Ouais, il va me faire très très mal, hein. Oh non, on se calme, on se calme. Est-ce qu'on peut se calmer? Ok, cool. Ça, ça va pas... J'espère, hein, en vrai. Oh, je vais pas pouvoir verte. Oh non. Oh la dinguerie. T'es mal, les dégâts. Il s'arrête quand de taper, lui. Oh, cette dinguerie. Ok. Je prends pas qui là-dessus, Diren? Ou par contre, Diren, c'est triste là. Là, Diren, c'est triste. Et là, c'est plus la même histoire. Allez. J'ulti ici, les gars. Pourquoi? Parce que sinon, il va me dispel. Et là, la team est juste. Sa team est intuable. C'est impressionnant, les potes. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas croisé une team aussi étoilée. Mais c'est vrai que... Allez, Gwan. Allez, Gwan. Et c'est Z qui aurait eu vraiment le côté support hyper intéressant. Là, on l'a vu. Sur le terrain, ça allait. Il nous a pas trop embêté. Mais même quand il était pas sur le terrain, par contre, là, il nous embêtait. Allez. Allez. On a pris qui juste avant? J'ai gagné, let's go les gars, la game au timer. Waouh, la game au timer de fou furieux. Oh, cette game est phénoménale, hein. Je la gagne de 1,5 million ou 2 millions d'HP. Donc j'ai vraiment, vous avez vu là, je gagne la game sur quoi? Sur un move, c'est le fait de, vous allez dire, mais pourquoi t'as ulti sur Diren au lieu d'attendre, de combo et à la fin d'ulti? Parce que sinon, il allait mettre ses 17, et quand j'ai ulti, il allait me dispel. Plus soigné, donc j'aurais mis très peu de dégâts. Et au final, les 2 millions de dégâts que j'ai eu là, bah, je les aurais pas eu. Bon, j'espère que vous aurez kiffé, les gars, ce showcase. En tout cas, vous aurez bien compris l'histoire. Gohan est toujours au sommet de ce jeu. Mais vous le voyez qu'il y a quand même des alliés, enfin des ennemis maintenant qui le concurrencent un petit peu. Mais ça arrivera. Le perso a 3 mois quand même. Alors, 3 mois, c'est rien en vrai, on va pas se mentir. Mais y a des persos qui en 3 mois ont totalement disparu du jeu. À K couleur, notamment. Voilà, je fais de gros bisous, les gars. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. On se dit à très vite. Ciao. Speaking in tongues, snake like tongue, you on the rock.